Voilà, nouvelle rencontre sur le plateau des Journées francophones de radiologie avec le docteur Stéphanie Mauton. Vous êtes médecin, vous êtes chirurgienne, vous êtes oncologue et vous êtes à l'Oncopole de Toulouse, c'est-à-dire le CHU de Toulouse. Je voulais vous rencontrer parce que vous êtes une passionnée de sport. Vous êtes la présidente des Rubies. Les Rubies, c'est une association de femmes qui font du rugby et de femmes évidemment malades ou en tout cas en traitement chez vous. Et vous vous intéressez beaucoup à leur réadaptation à la vie après les chirurgies, j'imagine. C'est ça, Stéphanie Mauton ? Oui, c'est exactement ça. Donc, ça ne s'adresse pas d'ailleurs qu'aux femmes. Les Rubies pour Rugby Union Bien-être Santé, c'est une association en fait qui promeut l'activité physique adaptée dès le diagnostic de cancer pour tous les cancers, pour les hommes, pour les femmes. Et donc voilà. Et en réalité, c'est grâce au sport et en particulier au rugby. On n'attendait pas nécessairement le rugby comme sport totalement adapté à des malades, à des patientes ou patients, comme vous le dites, atteints de cancer. Mais si le rugby, votre sport aujourd'hui, est un sport qui peut être adapté à la, aux malades atteints de cancer. Oui, tout à fait. Alors, ça vient d'une action qui a été initiée par la Fédération française de rugby. Nous avons travaillé en collaboration afin de trouver le meilleur rugby. Donc, un rugby à 5, sans plaquage, sans mêlée, donc sans contact violent, pour pouvoir permettre à nos patients, en effet, cette rééducation accélérée. Donc, le rugby, c'est un sport très intéressant, justement, pour être adapté. C'est un sport collectif, avec tous les avantages du sport collectif. C'est également un sport qui entraîne beaucoup de coordination entre le haut et le bas du corps. C'est un corps qui nécessite le contact, donc très important de reprendre le contact avec les autres après la maladie. Voilà, c'est un sport qui est vraiment adaptable, et puis la passe en arrière permet à des patients qui ont vraiment des capacités physiques diminuées de pouvoir rester dans le jeu en équipe, donc c'est très intéressant. Et évidemment sous contrôle médical. Voilà, sous contrôle médical, c'est-à-dire que c'est sur prescription médicale. Tous les patients ont un suivi médical, bien entendu, spécialisé. Donc voilà, c'est sous contrôle médical et c'est vraiment en collaboration étroite, professionnelle du sport, professionnelle de la santé. Sous contrôle médical et donc aussi sous contrôle radiologique. Sous contrôle radiologique, bien entendu, puisque en cancérologie, on connaît la part très importante des examens d'imagerie pour le suivi de nos patients. Aujourd'hui, on a de l'imagerie de pointe qui fait vraiment partie des protocoles de suivi. Et donc, quand on recherche les bénéfices à la réalisation, à la pratique d'une activité physique adaptée, bien entendu, c'est par le suivi et par ces examens d'imagerie qu'on va pouvoir identifier les bénéfices de cette activité. On a fait beaucoup de progrès quand même dans le lien entre le sport et la santé et le sport. On a fait beaucoup de progrès. On a des études scientifiques dans les cancers les plus fréquents, sein, prostate, côlon, justement d'une la pratique régulière d'une activité physique adaptée à un certain seuil d'intensité va permettre aujourd'hui d'améliorer la tolérance des traitements, va permettre d'améliorer la qualité de vie et va permettre également d'améliorer le pronostic de la maladie. Dans certains cancers, comme le cancer du sein, on arrive à retrouver des réductions de 50% de la mortalité globale. Donc c'est très intéressant. C'est une thérapie aujourd'hui non médicamenteuse qui est très intéressante, bien entendu, en complément de nos traitements. Les mesures, sera ma dernière question, les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics sur la prescription santé, on en a beaucoup parlé, ça a fait évoluer Ça a fait bouger les choses. Personnellement, je me suis demandé pourquoi nos pouvoirs publics balançaient un décret sur la prescription du sport sans avoir vraiment structuré avant. Puisque pour prescrire, vous engagez votre responsabilité, donc il faut savoir comment prescrire et où adresser les gens. Et on n'avait pas cette formation-là. Donc... la structuration est venue après, on est en chantier aujourd'hui. Les Rubies, c'est un exemple de ce qui se passe avec le rugby, mais toutes les fédérations ont travaillé à des activités physiques. Et donc voilà, aujourd'hui, on a besoin des partenaires industriels, des partenaires privés, parce que ce n'est pas notre caisse d'assurance maladie qui va pouvoir prendre en charge tout le sport après cancer. Merci Stéphanie Mauton d'être venue nous voir sur le plateau des JFR. Merci à vous.